Et salut les bougs. Normal frérot, on soutient à fond ceux qui soutiennent, on écoute. Et écoute, on va essayer d'y aller là, en septembre. Je t'enverrai ça direct quand le son sera fini. Bah, avec plaisir, mon frérot. Franchement, je kifferais bien. J'avais demandé à Najim de m'envoyer déjà des sons, les sons que tu avais envoyés sur WhatsApp, mais il ne l'a pas fait, ce petit bâtard. Il va falloir que je le relance. Oh la quétale! Avec plaisir frérot, pas de soucis, je te transmettrai ça si tu veux. Ouais, carrément, carrément. Et je vais t'envoyer. Hey, salut Adri, comment tu vas? Et je vais t'envoyer, Eddie, mon WhatsApp. Allez, je vais me chercher un petit café qui est prêt. Je reçois le micro demain, les gars. Donc vous dire que demain, on part sur un stream de qualité. Impeccadri, merci. Ça va très très bien.
Quoi, vous êtes chaud pour une cam aussi? Non. En vrai, une petite cam, why not, hein? J'en avais une que j'ai vendue, mais. Oh, je pense que je vais continuer à streamer, en vrai, c'est assez kiffant. Mais ouais, pourquoi pas. Je vais y penser, peut-être me prendre une. Il y avait quoi? Il y avait des Logitech qui étaient pas trop mal, je crois. Ils faisaient le taf, pas trop cher. C'est quoi, le C960 ou un truc comme ça là. C920, ouais, c'était ça. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de faire plus que du 1080, hein, vu la taille de l'image, l'incrustation. Ok, pourquoi pas. Je vais y penser. Alors. Allez, on en était où nous? Oh, vous êtes en pub là? Ouais. Ah, Eddie doit être en pub, ouais. Mais je vais attendre 15 petites secondes. C'est normal, Adriz, parce que t'as bien khalas la chaîne. Ah, ça me disait qu'il y avait une pub en cours, c'est pour ça. Je pensais que t'avais une pub, Eddie. Scoozy. Alors, on s'en était arrêté où? Ah oui, il fallait choper l'hydro-répulseur et c'était grâce à Témine, mais je sais toujours pas qui c'est, quoi. Tac, tac, tac. Alors, obtenir un hydro-répulseur grâce à Témi. Des indices sont disponibles dans le menu capacité. Mais il n'y a rien dans le menu capacité. Je peux déverrouiller. Ah ouais, ça met des pubs. T'es invendu, je vais regarder Squeezie. Attends, tu veux que je te dise un truc sur les pubs? C'est un truc de ouf, en vrai. Enfin, peut-être que tu sais, mais. Parce que là, j'ai vraiment mis le minimum. Je crois que j'ai mis 30 secondes, toutes les heures de stream. C'est là. Et tu peux monter à. Non, mais c'est aberrant. À 22 minutes par heure. Ça fait une pub de 3 minutes toutes les 8 minutes. C'est vraiment un truc de fou. Mais qui fait ça, putain? En plus, enfin, je pense que tu gagnes rien dessus, quoi. C'est abusé. Alors, nouvelle capacité déverrouillée. Nyx indique à Kay les conteneurs proches afin qu'elle n'aura jamais l'occasion de trouver quelque chose. Ok. Pire que TF1. Non, mais bien sûr. Tu peux mettre tout le temps, c'est une dinguerie. Ouais, t'as même un bouton, je crois, pour lancer des pubs, quoi. Si tu veux. Enfin, c'est ouf. C'est vraiment ouf, quoi. Plan A, plan B, manœuvre en tonneau, on tire. Ouais, mais alors là. Jamais tu fais ça. Non, non, t'inquiète, franchement, non. Après, en tant que. De toute façon, quand vous êtes abonné à la chaîne, vous n'êtes pas emmerdé, vous n'avez jamais de pub. Donc, à ce niveau-là, vous êtes vraiment pas emmerdé. Par contre, là, je suis un peu perdu, là. Le travail de Guidic pour l'Empire revient à lui hanter, mais Kay doit améliorer son speeder avant de pouvoir l'aider à réparer ses erreurs. Il faut que j'aille au.
Faut que j'aille voir la meuf qui modifie les speeders. C'est où? C'est là? Non, ça c'est le Trailblazer. Elle est où la bougue? J'allais voir ça. Enfin, je suis perdu dans ce vaisseau et puis cette caméra qui est zoomée à mort là. Que ça met, les indices sont disponibles dans le menu capacité, mais il n'y a absolument rien, on est d'accord. Peut-être la biographie, non? Bah non. Que ça met un petit icône là sur l'endo, mais je vois pas pourquoi il y a une icône. Voler des chambres fortes de syndicats. Écoute, on va voir, on va faire un peu le tour. On va déjà améliorer le vaisseau. Comment j'ai hâte d'avoir le micro demain là? Putain, ça va tout changer. Vraiment, ça va être quali. Et j'ai vu que c'était aussi utilisé pour faire du chant, tu pouvais vraiment l'utiliser pour du chant. Hey, salut. Oh lourd, canon laser. Alors modèle de missile, ok, c'est ce que j'ai. Modèle de missile moins maniable qui inflige de lourds dégâts dans un large rayon d'explosion. Okay. J'espère que tu chanteras, évidemment que je chanterai. Alors là mon gars, au boulot je chante tout le temps. Elle a raison, on en a. Un modèle de missile à énergie ionisée qui désactive les vaisseaux. Non, non, je veux torpiller. Je veux torpiller. On m'appelle Peggy. Tout, 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 tout. Putain, ouais, l'ancienne. Oh, j'ai pas été voir sur Snap. Je regarderai après sur Snap Adrien si j'ai des petites photos. Là. À l'époque. Enfin, à l'époque. Bon, Reviens ça nous avance pas plus. nous Ben, va falloir réfléchir à un bon registre. On va chanter du Brel, hein. Classique. Qu'est-ce qu'on a fait? Notre speeder est là. Salle de jeu des pikes. Ouais, mais les pikes. On n'est pas copains avec les pikes. Mais vraiment, ça me. Port Stationport de Mira. À qui va? C'est là où on est d'accord? Mira, Stationport. J'ai vu que je pouvais écouter une conversation. On va voir ce que ça dit. Parfait, je me mets tout. J'aurais jamais dû t'écouter. Là. C'est la dernière fois que je te laisse trouver une cachette. C'est pas la première fois qu'on sert de cette grotte et on n'a jamais eu de problème. Je pouvais pas savoir que la cascade allait déborder. Et toi non plus. Et alors on fait quoi? Tout le putain est coincé là-haut. S'il en reste quelque chose. On n'a qu'à tirer un trait sur cette combine. N'oubliez pas, la saison des moussons arrive. Vous vous croyez rapide, mais les inondations le sont encore plus. Préparez votre résidence aujourd'hui. Non, je te jure, ça me rend dingue, cette mission à la con. Hein. Elle est peut-être buggée en vrai, hein. Ça m'étonnerait pas. Parce que ça me dit que je dois avoir des indices dans le menu de capacité. Après, c'est peut-être un truc à faire plus tard, hein, ça se trouve.
Écoute, on va faire une autre mission. En attendant, on va aller sur Tatooine. Est-ce que Tatooine, c'est lourd comme planète? Alors. On n'a rien à faire, non? Allez, let's go. 5 sur 5. Oh putain, ouais, c'est vrai qu'au McDo ils ont reçu les. Ils ont les nouveaux trucs là. Je prépare l'hyperpropulsion. Allez, ça part. Si on voit les fions, ah ouais, les lacets McDo, ça va être incroyable. Mais je te jure, c'est combien t'as dit? C'était 25 points en vrai, c'est pas. Je te jure, je vais en prendre plusieurs. Moi, je vais laisser se battre. Ça me balèque un peu de. En vrai, c'est vrai, ouais, ça va. Hein. Je sais même pas combien j'ai sur mon compte. Alors, McDo plus. Enfin, je suis sûr que je suis pas connecté à la pluie. Voilà, évidemment. T'es blindé. Bah, pas tant que ça, hein. Je vais plus beaucoup au McDo. Hein. Oh, flemme. Mais pas passer René. Vraiment flemme. J'espère que t'as récupéré. Tu sais que je les ai jamais récupérés, Adrien. Mais j'ai abandonné, hein. Je me suis dit, c'est pas grave, tant pis. J'imagine que c'était prémédité. Je crois que c'était Charlie qui les avait récupérés, d'ailleurs. Tu te méfies des contacts de Jaylen? Je me méfie de tout le monde. Oh, même de moi? Je comprends. Nouvelle quête. Ouais, non, j'ai jamais récupéré. Je vais faire un tour. Je crois que je lui avais filé mon adresse pour qu'il me les envoie et je lui avais dit que je lui payais les frais de port. À mon avis, il a dû zapper. Moi, j'ai complètement zappé. Et puis, c'est pas grave, c'est que des ponts. Tant pis. Ça m'étonne pas de toi. Tiens, le mec a dû la flemme de remettre des lacets à récupérer des chaussures. Ouais, je te jure. Alors attends, parce que Tatooine c'est grand. Tatooine c'est grand. Parler à la shérif. Super. C'est normal que la ville soit aussi vide. Je vais faire une game à vélo. A tout à l'heure, Adrien. Et bonne game du coup. Level 32. Ouais, pour la petite histoire, Céline, c'est quand on a été, on a fait une rencontre IRL en gros avec toute notre guilde sur Dofus, et on a été à Orléans du coup chez un pote, et c'est là que du coup j'ai rencontré Adri et tout ça, on s'est rencontré, et on a fait une grosse chouille, et le lendemain je t'avoue que c'était compliqué,
Et du coup, bah, j'avais oublié, j'avais des mes belles Timberland, mes belles Timberland, pardon, et je les ai oubliées du coup là. Oh, coucou Mazaza, comment ça va? Alors ça fait plaisir. Bon, il y a quoi à faire ici? Il n'y a rien, a priori. Hello, ce shérif. Ah, regarde ça. Salut, je cherche un certain os. T'es avec les Hutt? Je suis avec moi. Alors t'as mal choisi ton moment. On m'a dit que t'arrivais. Quint? Sada Chuba? Titinka? Obapomakuna? Kionakas Eldagi? Ça c'était avant, et maintenant c'est Sheriff Quint. Bon, tu manges quoi de bon ce soir, Zaza? Eh ben, on est deux alors. Et t'as quelques jours de retard. Il est parti. Ako. T'as vu ce petit émote fait sur mesure, Zaza? Village. Je l'ai arrêté et mis en prison. Mais il s'est échappé et il a disparu. Après ça, j'ai arrêté de me soucier de lui. Je ne te laisserai pas dépouiller ces braves gens. Tutoama no jama Buka Pintu. Il va prendre une bastos, puis. Ouais. Oh là là, ça pue, hein. Mais c'était sûr. Bon travail d'équipe. C'est pas fini. Les Huts, c'est comme la vermine. On n'en voit jamais le bout. C'est pas un petit peu raciste, lui? Il vous déteste vraiment, hein. On s'y fait. Mais ça va faire rien, toi. Mais c'était sûr. Ça arrive souvent, ce genre de choses? Les Huts saisissent le moindre prétexte pour s'en prendre à nous. Oh, mon bébou. Il est parti où, lui? Il faut que j'ouvre la porte, non? Bon, du coup, Zaza, tu manges quoi? Tête de os, chasseuse de primes. Je m'appelle Kay. Et. Tu manges sur le pouce ou tu te fais un vrai repas? C'est bien la dernière chose que je voudrais faire avec ce type. Mais j'apprécie ton aide. Oula. Assez pour me donner un petit renseignement, shérif? Je vais te dire la même chose qu'aux autres chasseurs de primes. Os rançonnait notre petit coin de paradis. Alors je l'ai chopé dans une ferme d'humidité désaffectée. Hystérée là depuis un moment. Je commencerai par là. Ne traîne pas. Jabba a mis une sacrée prime sur la tête de ce rat. Alors. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit choper le mec, j'imagine. La shérif m'a conseillé de chercher dans une ferme d'humidité. Oh là là, mais il fait n'importe quoi ce speed-là. Ce gars s'est fait un paquet d'ennemis. Une condition inévitable dans ce métier. Et Zevardi? Bon, cette ville, elle est... cette planète, elle est plate. Hein. Ah.
chercher Oz dans la ferme d'humidité abandonnée. Je crois que j'y suis. C'est quoi cet endroit au juste? Une installation indispensable à la survie. Pour obtenir de l'eau, il faut l'extraire de l'atmosphère. Oh. Os, t'es là? Os. Non, ça. Faut que je tire dedans. Merci. Garde ça ouvert pour toi, tu vois. Il n'y a pas un autre. On dirait... Tu crois que c'est Os? La porte est bloquée. Il faut rétablir le courant. Ok, bro. Alors... Nix, garde-moi ça ouvert. Pas grand-chose là-dedans. Attends, faut que je remette le courant. Est-ce que c'est lui qui est décédé? En train de piller sa baraque, mec. Bébé. Hé, hey, ND. Os n'est pas là. Il y a juste un chasseur de primes tout mort avec un transpondeur. Si le transpondeur fonctionne, il pourra traquer Os. Bon, ça joue à quoi? T'es sur Plectel, Céline? Bon, voyons s'il marche encore, ce transpondeur. Yep. Il doit pas être trop loin de la fin, du coup, là. Je suis bloqué. T'es bloqué à quel moment? Tu l'as passé, le moment où... Où faut aller récupérer. En fait, faut. Putain, comment le dire? Tu te balades dans des champs en fait. Ou où t'es avec ton frère, du coup, et t'as vraiment des rats partout. Et genre, t'as des catapultes, t'as des endroits où tu dois poser des espèces de trucs en feu. Oh putain, mais dit comme ça, c'est impossible à faire. T'as même des moments où tu dois... C'est quoi? C'est des animaux morts, je crois que tu dois déverser des animaux, enfin c'est bizarre. Où j'ai eu au moins. Ah oui, c'est ça, ouais, exact. Thank you.
de haut sans vue, mais il doit pas être loin. C'est quoi ces bestioles là? Je peux les tuer? Ouais, je pensais que ça me rapporterait quelque chose, tu vois, de les tuer, mais même pas. Alors, suivre la piste de Os. Et bon, on va suivre. Est-ce qu'elle est toujours avec nous, Zaza? Zaza, where are you? Nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Comment j'ai envie de jouer à Pokémon aussi. Mama. Où es-tu, la Zazou? D'où on te suit partout. Ouais, les émotes animées sont toujours en attente, Célina. Toujours en attente de validation par Twitch. Wow, du calme, je veux du mal à personne, moi. Je cherche quelqu'un, c'est tout. Je cherche Anakin. Ok, d'accord. Ouais, c'est à cause d'eux qu'il y a eu Dark Vador. Hein. Ces petits bâtards. Là. S'ils avaient pas kidnappé la daronne du petit Annie, eh ben on n'en serait pas là. Et à moi avec leur tête, on dirait un trou de balle. Quoi. Tête de cul. Que c'est moi que tu cherches. C'est pour ça que t'as pu passer. Si ton nom est Os, c'est bien toi que je cherche, ouais. Jelaine Vrax t'a recommandé pour un boulot, mais t'as l'air occupé. Non. Si c'est Jelaine, j'accepte. Je suis le meilleur qui soit. D'accord, ok. Des bandits ont volé la paire de dragons crête de Cetusken. Ils pensent que je fais un bon otage. Mais pas vraiment, puisque je me suis fait virer. Alors récupère cette perle et je serai dispo pour ton boulot. Ça te va? Elle est où, cette perle? Dans une grotte, avec un tas d'os de banta, juste devant. Elle grouille de ses pourritures. Le meilleur qui soit, hein? Tu peux me croire, partenaire. Allez, on se parle par Comlink. Ok, bro. Attends, il est prisonnier? Ok, d'accord. Faut que j'aille là-bas. Nous avons interdit au speeder, évidemment. Quel conteneur. Putain, je peux les choper en plein vol, le bug. Jamais elle meurt, elle.
Oh, j'étais en train de... Ouais, je te demandais qu'est-ce que tu t'étais fait à manger, Zaza? Et là, je suis dans mon garage. Aménagé quand même le garage. Ou alors t'es entre deux voitures et de l'huile de vidange qui traîne dans un bac. Tu vas voir Benoît? Regarde-moi ce petit Benoît. Oh, c'est qui mon petit monstre? Ou c'est qui mon petit monstre? Oh, j'avais pas vu le mur. Oh, bébou. Ah, il est très mignon. J'ai hâte de pouvoir le customiser un peu, parce que pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Merde. Sale bête. Ah ouais, d'accord, donc là, tu changes tes bougies. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Tu vas arriver pleine balle demain au boulot avec la voiture. Je vais mourir dans toute une neuve, là. Enfin, bougie toute neuve, du moins. Tu veux pas savoir pourquoi? Parce que c'est dans cette grotte. Ouais, plus ou moins. Il y a des méchants, Nix. Il y a des méchants, elle a dit. Wow, mais c'est quoi, mais quoi ils tirent les mecs quoi? Et donne-moi ça bébé. Ouh. Retour à l'envoyeur, impeccable. Ah putain, j'ai rien du tout compris. Oh là, désolé, Zaza, j'ai rien compris. Hein. Je pensais vraiment que tu changeais des bougies, quoi. Ça aurait pu être le cas. Hein. C'est bon, ils sont tous morts là. Non mais écoutez là. Et oui, je peux le custom, regarde. C'est dans quoi, dans l'équipement? Oui. J'ai mon petit Nyx qui est là. Là, je lui ai mis des petits bandeaux sur les cheveux. On peut les enlever. Voilà, là, il est tout nu des cheveux. Et là, il est plus tout nu des cheveux. Ouais, c'est vrai. Franchement, si t'as besoin, tu l'appelles, hein, tu lui demandes. Hein. Il reste du monde. Qu'est-ce que t'as trouvé, Nyx? Alors, retrouver la perle. Maintenant, il est beaucoup trop chou. Ouais, c'est vrai qu'il est assez mignon quand même. Ça, ils savent faire des petites bestioles mignonnes. Mignonnes. Ça, je peux les faire péter, ça. À bientôt.
Vas-y, ils ont copié Assassin's Creed. Ah, oh, c'est un petit mélange de pas mal de choses. Mais en vrai, ça fait plutôt le taf. Bon, y a quelques bugs à droite à gauche, mais c'est pas. Alors, graphiquement, il est pas incroyable, le jeu. C'est sûrement ça. Après, en termes de gameplay, il y a beaucoup de. Pas vrai, Nix ? C'est beaucoup de d'infiltration. Bon, tu peux y aller comme un bourrin, hein, t'as bien vu. Hein. Moi, j'arrose. Je me fais moins chier. Oula. D'accord. Hello you. Bam, grosse mandale. Merde. Ok. On est tiré d'affaire. Le nouveau a fait une belle prise. Presque 10 000 crédits. Pas mal pour un pull à sueur. Qu'est-ce qui branle l'autre là? Moi j'arrose qu'un down. Oh putain, y'a du monde. J'ai déjà le dos droit. J'explique. Demain j'ai mon micro, Zaza, qui arrive. Et c'est un micro qui nécessite d'être vraiment un peu de... enfin, devant, quoi. J'avance. Et du coup, moi qui ai l'habitude de jouer allongé, si je veux que vous m'entendiez, il va falloir que je joue assis. Donc du coup là je m'entraîne, j'ai déjà le dos droit. Et voilà, une perle de dragon crête. Je connaissais pas. Tu vois quelqu'un? Ross, dis à tes copains que je l'ai, leur perle. Avec plaisir. On t'attendra près de la grotte. Il devrait y avoir une autre sortie. Putain, voilà, je suis grillé. Tant pis. Je les ai éclatés. Oh putain, ils sont beaucoup là, je me casse. Esquive, on esquive. Ah, je vais faire les tirs au jugé. Oh oh. De la moula, tu vas te redresser. C'est vraiment des bâtards. Donc pour info, elle joue Céline. Ah, bon, j'allais dire Céline va peut-être pas te répondre parce qu'elle est en train de jouer, mais. A priori, si. Hein. Trouver une manière de sortir de la grotte. Ça doit être par là. Cette émote quoi, des enfers. Yeah. Comme toi, parle bien à tes follows. Ouais ouais, attends, ouais. Oh. Commence pas à faire ta maline toi. Hein. Je vais prendre un petit ban, un ban chat, ça va te calmer. Oui, je vais dire oui. C'est vrai. Je peux commencer à me mettre à dos. La menace. Ah, j'ai pas vu, Céline, que t'avais récupéré le à boire. Ouais, j'allais me faire un verre d'eau en plus.
J'ai plus d'eau là. Jaylen a toujours su bien s'entourer. Zaza va pouvoir faire écouter ma petite session ASMR. C'est bon maintenant ? Oh putain, j'ai mal au genou quoi. Elle dit que je peux partir, à condition que tu règles mon ardoise. Ton ardoise ? Ouais, à la cantina. Dis-lui que je vais me passer de toi finalement. Ça valait le coup d'essayer. Retrouve-moi à Moses Lee, à la baie d'amarrage numéro 94, et on s'arrachera de ce trou. Et tu veux pas savoir pourquoi je te recrute ? Si tu payes, allez, le verre d'eau est prêt. C'est tout. À plus tard, gamine. Au bout d'un moment, t'as cru que tu étais tonton. Ah oui, c'est merde. Tant de temps. Allez, petite session ASMR. Petit verre d'eau des familles. J'adore l'eau. Alors, est-ce qu'il y a les deux soleils ? Oh, il y a les deux soleils, c'est beau. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Retrouver Oz dans Mos Eisley. Oh, on va à Mos Eisley. Et si on partait en balade ? Peiné, hein. Personne n'allait nous rendre la vie facile, Alix et moi. Faut savoir prendre ce qu'on veut. Et c'est quoi ? Ce que tu veux ? Ne pas terminer comme Os. Écoute, t'es bien au courant. Au secours ! La galaxie la mauvaise contre les Jokers. Ils sont la seule manière de survivre. J'arrive, je vais vous aider, les gars. Non, j'en sais rien. Mais ça reste mieux que de mourir sur place, non ? Je suppose. C'est eux, les pirates, là ? Tatooine a l'air d'être une planète sans pitié, Alix. Ah, lui gentil, lui méchant. Il faut que je fasse des tirs au jugé. Laisse-le moi. Voilà. Ma chance tient toujours. Mais genre la map est grande comment ? Je vais te montrer. Je mets ça. En fait, il y a plusieurs planètes. Merci. Chaque planète a son orbite normale. Tu peux aller en vaisseau sur l'orbite de la planète te balader. Et du coup, là, on est sur Tatooine, planète de sable. Et Tatooine est grande comme ça. Voilà, c'est pas immense. On peut aller là, tu vois. C'est pas immense. Suffisamment pour avoir de quoi faire. Après, c'est une petite planète. Hein, t'en as d'autres. Ça, c'est l'orbite de Tatooine. On peut se balader, il doit y avoir un truc ici, apparemment. Et là, t'as la galaxie, et du coup, t'as d'autres planètes. J'ai pas encore tout découvert, donc... Tu vois, t'as les orbites où t'as des décombres et tout. Enfin, c'est un peu merdier. Toshara est un peu plus grande. C'est la planète de... En gros, beaucoup de verdure, beaucoup de forêt. Non, les paysages sont assez beaux en vrai. Oh, mais ils sont encore attaqués. La grenade Kobe Bryant. Oula. Il y a personne d'autre là ? Sérieux ? Putain, je suis un ninja. Voilà,
Ouais, il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. Là, je me concentre sur l'histoire principale. Vraiment, j'essaie de la faire à 100% rapidement. Comme ça, je vais monter mon perso au max. Tous les équipements, tu vois, les armes à fond. Ah, mais c'est des victimes, ils sont attaqués les 2 secondes. Oh, ça va être un gros, ça, vraiment. Et après, je vais pouvoir m'occuper des quêtes secondaires en étant vraiment, vraiment bien stuff. C'est bon là? Vous arrêtez d'être des victimes? On paie les Huts pour qu'ils nous protègent. Où sont-ils? Les Huts? Ils aident seulement quand ça rapporte à Jabba. Tenez, c'est pas grand-chose, mais prenez-en en guise de remerciement. Allez, c'est bon. Alors, faut que j'aille à Mos Eisley, qui se trouve là. Galatienne, cocose. Heureusement que je fais pas ça avec du rhum. Hein. Je m'appelle plus Zaza, t'as vu les films Star Wars ou pas toi? Je suis pas spécialement fan de la saga. L'état du stream, putain, tu m'étonnes. Non, mais de toute façon, je pense que dans la charte de Twitch, tu vas pas avoir le droit de picoler en live. Je pense pas. Oh là là, franchement. L'ambiance qu'il y a dans la ville, c'est vraiment stylé. Il n'y a pas grand chose, mais juste le fait, tu vois, que t'as des gens qui marchent partout, que t'as adapté de la vie, c'est vraiment très sympa. Et à Mos Eisley, il y a la cantina, les mecs. Et la cantina, ça va être trop bien. Enfin, j'espère qu'il y a de la musique. Non, j'aime pas trop, mais j'aime bien l'univers. Ouais. Ok, je comprends. Est-ce qu'on embarque quelque chose? Quelqu'un. Os nous y retrouvera, et on pourra mettre les voiles. Parfait. Il y a déjà du sable dans mes cerveaux moteurs. La cantina. On va y passer après. J'espère qu'il y a la musique emblématique de la cantina quand même. Qu'est-ce que tu caches toi? Mais c'était sûr. Personne. Évidemment, il va me faire attendre. Allez. Oh bébé. Os, tu viens ou quoi? Clôture des affaires en cours à la cantina. J'arrive bientôt. Oh, je vais voir ce qu'il fait. Oh, c'est-à-dire qu'il faut gérer la cantina? Incroyable. Retrouver Oz dans la cantina. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Elle ne peut pas courir plus vite. Hey, t'as pas entendu parler d'un syndicat qui sera à la recherche d'une marque de mort dans le coin? Tu veux parler de Zerek Besh? Ouais. Il
a intérêt à valoir le coup, ce os. Je l'ai pas dit, j'ai pas dit tiens quand même là. Si non, non, je l'ai pas dit, je crois. Non, non, je l'ai pas dit, il commence pas. Hein. Il va me faire, passer pour fou. Grosse folle. Il se rend même plus compte. Mais non, je l'ai pas dit, vous mentez. J'ai pas besoin de t'y faire passer. Ouais. Je suis sûr qu'avec le nouveau micro, je vais pouvoir te faire des trucs pour vous faire chier, genre des petits bruits de bouche, des comment dire, des bruits de mastication. Il y a moyen de faire un truc. Allez, dites-moi quelle est la musique. Ah non, ils ont pas oublié de mettre la musique. On a du travail. C'est qui le loser maintenant? Il a un peu une tête de gland lui hein. Je l'ai pas. Toudou. Cette espèce de rawamp. Non. Non mais qu'est-ce que vous faites? Je te laisse. Oh, c'est les vinches. Non, mais alors lui, la tête de gland, tête de prépuce. Je vais l'éclater, je crois. Ce bâtard. Surtout, tu touches à rien. C'est ultra sécurisé. Tu observes et tu apprends. Les riches paient une fortune pour adopter des animaux exotiques. Ou les manger. Ah, ça y est, là, je suis colère. Là, je suis colère, là. Je suis rouge comme ça, là. Tout rouge. Oh, bébé. Petit monstre, tu vas où, toi? Mais de rien. Allez, file. T'es libre. Il échappe, ouais. On y est presque. J'aimerais pirater comme toi. Si tu te concentrais, tu... Ah bah... Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais pirater mieux qu'elle, moi. Ah. Tête de prépuce mal circoncis, il en est tellement, quoi. T'as vu ce bâtard? Tu as laissé tes sentiments compromettre l'opération. T'as rien appris ou quoi? Regarde-moi. Lui, je le garde. Oh là là, mais elle... Elle prend une baffe. Comment elle parle à sa daronne? Et la daronne, elle a renoncé. Bon, quand est-ce que... le camp d'ici. Hein? Toi, tu vas prendre une patate. Voilà. Où est-ce qu'il est? Tout ce bordel pour une stupide bestiole. Ok. À mon avis, ils vont le vendre à Jabba. Mais t'entends? Putain, mais quel bâtard. J'arrive, Nix. ND5, dis-moi où est le palais de Jabba, vite. D'accord. J'envoie les coordonnées. Os, tu l'as retrouvé? Oublie-le, il a perdu Nix. Je vais le chercher. C'est Jabba le Hutt. Ouais. Tu ne connais pas Jabba. Je m'en fous. J'ai eu affaire à lui par le passé. Il est extrêmement dangereux, Kay. Je m'en fous, j'ai dit. Nix, c'est ma famille. Tu peux pas comprendre. Tu veux...
Ouais. J'ai besoin de lui quand même. On touche pas à Baby. Putain, elle est longue cette ville, hein. Ok, c'est parti. Allez, cours plus vite. Elle a fait ce qu'elle peut avec son gros fiacre. Tu veux pas le sauver. Mais si, mon bébou, il manque. Comment je vais faire pour ramasser des objets à distance? Ok, par contre, ça c'est une bonne nouvelle, c'est que je suis en bon terme avec les huts. Du coup, j'aurai pas besoin de faire une infiltration. Et je vais genre faire le mec gentil, et je récupère ma bestiole et on part bons amis. Avec une pince, ouais, une grande pince télescopique. Une émote de bébou là. Il est un peu comme ça, mais... Bon, faut simplement entrer. Voilà, ça sort les dossiers. Sauf si tu fais comme hier ou avant-hier et que tu leur tires dessus sans faire exprès. Ouais, non, j'avoue. Ah, ça me fout le mort, quoi. Mais que dalle, Wally. Il va pas être gentil avec eux alors qu'ils ont volé Bébou pour le vendre là. Ah non, mais ils ont... Là, je vais voir les gens qui l'ont acheté. Ils vont le donner à Jabba. Le fait. Alors, normalement, je suis copain avec eux. Ah ben non, mais... J'ai une bonne réputation pourtant avec eux. Pourquoi je dois les taper? Ta famille, putain. Mais oui, c'est ma famille. Mais j'ai pas dit que j'allais pas me battre. Moi, j'avais pas vu qu'il y avait des gens là. Hop là, patate. Tu dors, petite merde. Ça transpire le bon terme, mais... Regarde, je te montre. Cartel des Huts. Réputation bonne. Techniquement, je suis pas censé le taper avec. Alors...
Mais c'est quoi ce blaster qui... Il tire pas droit, là. Mais pardon ? On est d'accord que le blaster, il a pas tiré droit. Bon, toi, mon gars. Tiens. Fais pas chier. Toi, pareil. Et on peut me péter les couilles, hein, je te le dis, moi. Voilà. Il n'y a plus de sommation, là. Là, je fais mon Anakin. Là, on est en manque de précision, par contre. Hein. Oh, le sniper, il fait trop mal. Faut vraiment que je le fume. Il m'a enlevé toute ma vie. Bouillard. Allez, on recommence. Hop, toi, tu reprends une mandale. Toi, tu reprends ta rive. Le robot, il meurt. J'ai changé d'arme par contre. On va essayer celui-là. Dead. Ah, c'était pas trop mal parti, hein. Et on va se la jouer sneaky un petit peu. Et il faut que je tue le sniper en premier. Le sniper, il est où ce bâtard? C'est lui, hein. Pardon? Pourquoi ça m'a déco là? Eh, est-ce qu'on n'aura pas fait le taf? Où ça parle là? Ah oui, par contre, c'est, ouais, c'est scripté, hein. C'est quoi? Ah, il est là, son sniper, au bug. Oh. Zoom avant, zoom arrière. Ah, c'est un gros zoom. Ok, ça, je prends. Alors ça, en général, quand il y a des petits retours comme ça, on peut grimper ou pas? Non, on peut pas. Ah si, c'est qu'il y a des coffres en général. Pourquoi est-ce que je pourrais aller ici? Bon, je perds le sniper. Et niveau inventaire, c'est à emplacement limité. Non, c'est... enfin, a priori, c'est illimité, l'inventaire. Sauf pour les pour le combat. Tu vois, le combat, j'ai 3 grenades. Mon flingue, arme balle illimitée, hein, vu que c'est des fusils... c'est des fusils laser. Et après, inventaire, tu vois, c'est plus ou moins illimité, hein, parce que
J'ai vraiment un peu tout sur moi. Je peux vraiment tout ramasser. Alors... Mais sinon, t'es vraiment dans ton garage, Zaza, ou ça aussi c'était c'était un prank? ND5, j'ai trouvé l'entrée dérobée. J'y vais. Et si tu ne ressors pas? Je ressortirai. Kay, ne sous-estime pas les hôtes. Ok, je suis dans le palais de Jabba, le gros sac. J'arrive, Nixie. Il va, faut choisir un peu. Ouais. En vrai, j'essaie de... je les ramassais pas au début, mais j'essaie de les prendre parce qu'elles font vraiment mal. Elles ont tendance à tuer assez vite. Ah oui, d'accord, ok. On va désactiver l'alarme. Voilà. Ça commence mal. Sorti, là je suis dans mon dodo. Oh, ça va faire dodo. J'y arriverai pas sans toi, Nix. Ah, il me faut Nix, hein, là. Hein. À propos des moines Bomar, n'oubliez pas qu'il est interdit de déranger les moines Bomar. Ils sont placés sur la protection du noble Jabba. Que le sort de Krakka soit une leçon pour tous. Il est des destins bien pires que la mort. Je sais pas si c'est beau, mais c'est dit. Oh ouais, ta munition illimitée, en fait, t'as juste une... t'as une barre de... l'arme qui chauffe, en fait, quand tu tires. Quand elle chauffe, t'as un... tu dois juste cliquer au bon moment, t'as un QTE. Et en fait, ton arme, t'as des modes. Ça, c'est un mode électrique. Donc c'est parfait pour activer des modules électriques ou pour tuer les droïdes qui sont insensibles aux balles classiques. Et t'as un mode explosif pour niquer les darons. La mort. Oula, ça sent le cochon là, ça sent le cochon grillé, non? Où qu'il est le cochon? Il est là le cochon. Hop, petite patate. Putain, je fais comment pour le tuer lui? Bah, je vais le tirer dessus. Hein. Mais ils sont incroyables ou c'est comment? Ah. Laisse les darons où elles sont. Ouais, c'est des... c'est des... là, c'est des vieilles darons dégueulasses. Hein. Allez, faut vite le faire. Donc il se retourne. Ok, j'en ai qu'un seul de bon. Bon. Évidemment. Mais sérieusement? Eh ben.
Non, non, tu m'as pas vu, frérot. Et trace ta route, toi. Il me dégoûte tellement la tête du porc. Trace ta route, tu m'as pas vu. Il m'a vu, hein? Il m'a vu, il m'a pas vu. Non, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. On est copains, c'est écrit. Ah non, il m'a vu. Putain, bâtard. Ah, mais ils sont increvables. Hein. Oh non, il a déclenché l'alarme. Terrible. Terrible. Est-ce que le code c'est le même? Ah non, c'est pas le même. Oh, let's go. Oh, j'ai une chance sur 4, 8, 10. Non. 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 Oh, bah, couillon. Oh là là, j'ai réussi à me cacher. Je suis trop un mec sneaky. Bisous Zaza, bonne nuit. 1, 2, 3. Ah bah ça sera pas la meilleure des choses à faire je pense. Eh bonne nuit mon petit cul. Fais de borem. Shoryuken. Alors. Ok, je dois le voler lui. Mais vous êtes sérieux? Mais lui va donner l'alarme, ce débile. Où est-ce qu'elle est passée? Je dois trouver Nyx. Aïe! Aïe! Putain, mais ils font la mal avec leur lance. Non, bâtard, non, bâtard. Attends, c'est d'où je viens ça, non? Non. Nyx, où es-tu? Et va dormir, toi. Oh, mais c'est... On le connaît? Ça serait pas Boba Fett? Tu l'as trouvé? Pas encore. Grand ici. Qu'est-ce que Jabba ferait de Nyx d'abord? Les Merkals sont extrêmement rares, Kay. Et Jabba est un collectionneur. Selon moi, tu trouveras Nyx dans sa ménagerie. S'ils ont posé leurs sales pattes sur lui. Parle mieux. Oh, désolé, excuse-moi.
Je m'étire de tout ce que j'aime. Regarde. Comme à la sortie de la voiture tout à l'heure. Voilà. Oh putain, ça me fait bailler. Alors, on est où là? C'est le garde-manger. Tiens. Il est forcément ici. On peut pas l'ouvrir ça? Libérer le Nyx de la ménagerie. T'es tout détendu pour les maraves. C'est pas faux. On regarde d'avoir trouvé Bébou. Attends, regarde. Attends Zaza, on arrive à Bébou là. C'est quoi tous ces os? Je croyais que Jabba les collectionnait vivants. Franchement, je les aime pas eux. Non, tu m'as pas vu. C'est pas genre tu m'as vu. Ah mais je peux l'endormir lui. Merde. What? Quoi? Ça a pas marché comme prévu. Hein. Et ils me font peur là. Un meilleur investissement cette arme. Il y a pas un mec là? J'attends. Vas-y, je cours. Attends, c'est par là ou pas? Non. C'est pas par là. Ouh, c'est l'arrière. J'ai chopé la carte magnétique. Nous avons mis le spécimen en cage et nous nourrirons et le nourrirons d'une. Putain, oh, je suis galère. Nous avons mis le spécimen en cage et le nourrirons d'un cinquième de la portion de gruau et de viande habituelle. Si Jabba s'en lasse, il servira de repas au Nexus. Pitié, faites que Nix aille bien. Nix, t'es là? Oh, il y a des bébous partout. Oh bébé! Je vais te faire sortir de là! Ok, on va te faire sortir de là. Ok. Oh, c'est bon, tu peux aller dormir, Zaza, je l'ai sauvé. Je sais, ça arrivera plus jamais, promis Nixie. Allez, viens, on s'en va. Oh, il ronronne, trop mignon. Je l'ai trouvé. Est-il blessé? Non, je crois pas. Attends, tu t'inquiétais pour lui? Sors de cet endroit, discrètement. Si tu te fais opérer, personne ne pourra te sauver. Ouais, compris. Oh, ça roupille. Oh là là, regarde-moi. C'est bon, je fais une photo, là. Obligé. C'est trop stylé, ça. T'es ma Jabba, le gros sac. Non? Bon, faites pas l'imbécile, j'ai toute une équipe postée autour. Ok, on va zapper cette partie. Tu rends gâti tout qu'ils
passe ma prime. Putain, mais c'est un fils de pute, lui. Vous savez, c'est incroyable. C'est ce que j'allais dire. Oh, bah voilà. On avait un accord, elle est à moi. Hey, revois-toi. On peut se faire. Ah, j'espère qu'il va crever, lui. Hein. Bon, je spoil pas, parce que bon, si tu regardes des films, tu sais ce qu'il y a dans la fosse. Et je t'avoue que je suis pas prêt. C'est pas ça, normalement, qu'il y a dans la fosse. C'est un peu plus gros. Hein. Ça sera pas moi. Oh, vas-y, fais-toi bouffer, toi. Ok. Bien sûr, il l'a mérité. Ouais. Tu sais comment sortir d'ici ? Et tu m'emmènes avec toi ? Et tu me laisseras partir quand on se... Un T-Rex. Bah, franchement, pas loin. Hein. Je prends ça pour un nom. Comment tu fais pour connaître aussi bien cet endroit ? Les syndicats résonnent pareil. Quand t'as vu un palais du crime, tu les as tous vus. Ah ouais ? Bon à savoir. Ah, c'était quoi ça ? J'ai ma petite idée. Et si c'est la bonne, il faut pas rester ici. N'attends pas sa mère ! Mais franchement, ce mode d'arme, il est trop bien. On dirait que ça s'approche. Oh là là, les grosses bestioles qui arrivent. Ah, tu vois ça? Une grosse arène, de quoi se cacher. Et sûrement des munitions quelque part. Et bah, ça pue. Oh, voilà la sortie. Bon, Veyla, attention, abusé, préparer l'émote. Tiens, tiens, tiens. Ah. Oh. Allez. On s'y attendait pas. Tiens, tiens, tiens. Ah bah il est beau lui. Allez, plus vite. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? De test bar, tu vas voir. Non, ça va, elle se barre pas. Alors mon copain. Je vais juste me barrer. Hein. C'est la fin. Les blasters peuvent rien contre ce monstre. Il faut le frapper avec du plus grand calibre. Les capsules de combustible au-dessus, ça peut marcher. Ça a touché là ? Non. Ah. Ah, il a pas aimé ça. Attire-le du côté de la Du côté de la porte. Ah oui, d'accord. On les neutralise, vite.
Attends, faut qu'on recommence. Eh bien, débile. Allez, quoi, c'est pas juste. Oh, petite merde. La porte. Je suis devant la porte là. Eh, petite merde. Voilà, regarde ça, il arrive. Allez bébé. Allez. Allez. Allez, attends, je me casse. Oh, c'est décevant, tu vois. Je m'attendais à rien, mais bon. Je suis quand même un peu déçu, quoi. Encore ? Un petit bien joué, Kay. Ça te tuerait ? Je suis un peu occupé là. Veil, les rails sont bloqués. Tu peux les faire marcher ? Je vais pirater les commandes, mais je parle pas très bien le E6. Occupe cette chose pendant ce temps. Oh bah ouais, facile. Wow. Eh bien, frérot. Sérieux, Zel ? Ça te dit quoi d'échanger les rôles un peu ? Non, merci. Alors, rediriger le courant. Tu veux chercher quoi au juste, Veil ? Un genre de condensateur. Enfin, je crois. Il y a un levier qui devrait relancer le système. On y est presque ! Et comment j'y vais là-haut, moi ? Mais elle est sérieuse, je passe par où moi ? C'est quand même un peu mal indiqué. Hein. Ta grand-mère, toi, arrête de dire allez là. Passe par où? Je peux pas m'agripper avec mon grappin. Éclaté, bah ouais, mais non, mais sérieusement, il faut faire quoi là? Sérieusement, je dois chercher quoi au juste, Veil? Un genre de condensateur, enfin, je crois. Il y a un levier qui se relance le système. On y est presque. Sauf que je peux pas grimper là.
Alors attends. On va refaire le tour. Vous allez le regretter. C'est pas bon, ça. Oh là, il met la pression lui hein. C'est quoi ça? Mais je te jure, on va pas couper le strip sur ça quand même. Ah mais j'ai mon petit bonhomme, je l'avais oublié lui. Mais je suis trop con. Mais oui, faut que j'envoie ma petite merde aller le faire le levier. Seigneur. La porte. Et pourquoi ils courent la base des villes? Eh petite merde. Oula. Oh bébou. Eh bah c'est pas dommage hein. Le comité avec le bordel qu'on a fait. Un retour à la case départ, comme dirait la fouine. Laisse, c'est moi qui parle. Oh grand Jabba, c'est un malentendu. Nous sommes désolés de vous avoir offensé et implorons votre pardon. Pouini pouini babe. Cocaïne dans le chill. Et question rémunération. Merci. Marché conclu. J'ai fait ma tête de méchant. Le complexe de Bestine est sous le contrôle impérial. C'est quoi le rapport entre Zerek Besh et l'Empire? Petit coup de pression. Hein. Dites, je peux gérer ça toute seule. J'ai pas besoin d'elle. Ouais, de ouf. T'es toujours là, Eddie. Et ça part sur un trophée. S'échapper du palais de Jabba. T'es mal à la taille du verre, quoi. T'inquiète, t'inquiète. Ça fait quoi, la petite soirée FIFA ou quoi? Il n'y a pas un peu de... Zone interdite ici. Ah putain, j'ai pas le droit de passer. Ah vas-y, courage frérot.
Bonne nuit mon gars, merci d'être passé, comme ça fait super plaisir. Kay, nous sommes bloqués. Je tiens à dire que t'as créé un compte juste pour venir moi, pour venir me follow. Ça c'est beau ça. Ouais. Tu peux me passer Jaylen? Ne quitte pas. Une bonne nouvelle à m'annoncer, Kay? Alors attends, une myrmitrix solitaire du clan Ashiya bien loin de sa ruche. Ah ouais, il y a Nastas aussi. Il devait stream aujourd'hui, mais il a pas stream, ce petit fumier là. Je vais lui envoyer un message, savoir ce qu'il a fait. Parce que du coup, je veux lui affilier son compte aussi et il va falloir qu'il stream un petit peu. Nastas le boy. Attends, j'ai d'autres comptes. Je vais discuter avec d'autres comptes, regarde. Ouais, bien sûr, c'est faisable. On peut faire des collabs en partie, avoir chacun notre stream, mais du coup, être sur chacun sur le stream de l'autre. Il y a moyen de faire un truc comme ça. Ouais, c'est carrément faisable. Mais il va falloir qu'il stream un peu le Boug. Qu'il investisse dans un petit PC aussi. Au lieu d'acheter les kebabs. Dans ce gros sac. Ashiga, je suis comment avec Ashiga là hein. Je suis pas mal. On va faire ça. Hein. Vas-y, je compte sur toi mon gars. Parce que lui, en plus, il a v'là le niveau sur les jeux, sur tous les FPS. Hein, donc, ça serait vraiment super intéressant à regarder. Alors, faut que j'aille à Mos Eisley. Pourquoi je peux pas voyager? Ah, je suis au téléphone. Il est mort. Ah. Eh ben, ça va être difficile de compter sur lui, alors. En plus, je me suis brouillé avec Jabba. Il nous empêche de quitter la planète et je me retrouve à bosser avec cette chasseuse de primes qui... Hey, du calme, tout va bien. Ouais, ça y est, les choses dans tous les domaines. C'est clair. Fais-toi bien voir par Jabba, repars de Tatooine et on réfléchira à la suite. D'accord? Ouais, d'accord. Très bien. En fait, j'ai discuté avec ND5 et je t'ai laissé un petit quelque chose sur ton vaisseau. Ça devrait être utile. Oh. Merci, Jaylen. Une petite amélioration. Tu travailles avec Fail. Disons que c'est une longue histoire. Allez, on va TP. Laisse. Bah, je me suis TP où moi? J'ai trouvé un poste d'observation. Sinon, je suis satisfait du jeu. Alors, point positif, point négatif. Positif, le jeu est grand. L'open world est très sympa. C'est pas trop grand, tu vois. Ça reste dirigé. T'as des chemins, t'as des routes. Tu vas pas te perdre en vrai dans un truc immense, mais c'est suffisamment grand pour te sentir assez libre. Donc, ça, c'est cool. Les combats sont sympas. C'est ok. Les missions sont. Pour moi, c'est le point négatif. Il y a trop d'infiltration. Les histoires sont assez cool. Il y a quoi? Niveau des textures, alors le jeu est pas très joli. Franchement, pas très très joli. Après, voilà. Pour moi, c'est un jeu pour les fans de Star Wars, en vrai. Si tu cherches un open world, t'auras mieux. Tu prends Horizon, par exemple. Les deux Horizons hein, sont mieux. Red Dead Redemption sera mieux, tu vois, à ce niveau-là. Si t'es fan de Star Wars, c'est un bon jeu, ouais. Donc, dans l'ensemble, j'aime bien. Attends qu'il m'attend ça à l'arrière du vaisseau. Voilà. Oh, impeccable. Je pourrais améliorer mon truc. Ouais, non, le jeu est sympa, mais au niveau des textures, tu vois les cheveux, tu vois qu'il y a des petits problèmes au niveau des cheveux, des textures dans le sable et tout, pareil. Horizon à côté, ça n'a rien à voir. Horizon à côté, il est 10 fois plus beau. Pour l'instant, j'en ai pas vu.
On n'en a pas vu. On va peut-être en voir parce que c'est possible qu'il y ait du. Ils font pas mal de petits caméos. Ils mettent des éléments qui sont quand même propres à Star Wars, à la saga, dans le jeu. Après, pour l'instant, on n'a pas entendu parler de Jedi. Pas vu un sabre laser, pas vu un Jedi. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment besoin de mettre de Jedi parce que c'est pas ce qu'on attend du jeu. Tiens, je vais t'envoyer ce que j'ai pris comme micro. Quoi qu'il y ait dans le son. Tu vas me dire ce que t'en penses. Alors, où est-ce que je dois aller, moi? Merci, frérot. Ouais, je vois, frérot. Bah écoute, en tout cas, au moins j'ai de bonnes infos et vas-y, envoie-moi ça. Envoie-moi ça. Après, si tu veux, je sais plus, t'as une PS5 ou pas quoi? Parce que si tu veux, moi je te le file, ou alors je le file à Najim et et tu le fais chez lui, sur sa play. Ouais, t'as la PS5, je savais plus, j'étais plus sûr. Bah si tu veux, je pourrais te le filer, quand je le finis. Je te l'envoie, petit colis Vinted, hein, tu connais. Ouais, ok, non, y a pas de soucis, hein, t'inquiète. Hein. Pas de soucis. Bon, il t'a dit, Najim, que je lui ai pack son petit Zidane sur FIFA. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris cette marque, parce que je sais que c'est une bonne marque. Je m'y connais pas beaucoup en micro, hein, mais je sais que la marque est bonne. Donc je me suis dit qu'en prenant ça, je prenais pas trop de risques, en vrai. Ça marche, pas de soucis. Ouais, de ouf. J'ai cru qu'il était en train de pleurer au micro. Mais je crois qu'il suffoquait. Alors, comment j'y vais, moi, ici? Je pense que tu seras pas déçu, frérot. Je te jure, j'aurais dû l'enregistrer, je suis trop con. Allez, c'est parti. L'étranger, Kay Vess. Nous te connaissons. Nous, non. Je souhaite t'engager. Vous êtes une Ashiga, pas vrai? Qu'est-ce que vous faites aussi loin de chez vous? Je souffre. Une Myrmitrix n'est pas faite pour être séparée. Tu pourrais te servir du micro pour poser des textes. Mais en vrai, à ce qui paraît, parce que je me suis un peu renseigné avant d'acheter, je suis désolée. C'est un micro que tu peux utiliser pour faire du chant, techniquement. Parce qu'il est. L'avantage, c'est qu'il est. On appelle ça pas omnidirectionnel, mais en gros, il ne prend que à l'avant du micro. C'est-à-dire que sur les côtés, sur l'arrière, c'est insonorisé, entre guillemets. Et si tu mets une bonne mousse derrière, je pense que tu peux avoir vraiment un très bon rendu au niveau de la voix. Ouais. Mais je vais lâcher des petits slams, t'inquiète. Ou je ferai du R&B. C'est. Répugnant. Dois-je me présenter à vous pour sceller notre relation individuelle? Ouais, faites donc. Je suis Zizik. D'accord, Zizik. Et une cargaison d'argent. Trop chaud pour faire du R&B. Voilà. ND, qu'est-ce que t'en dis? Le cartel DE est une entreprise comme une autre. S'il y a transaction, il y a registre. Bien, je vais voir si je peux pirater leur système. Vas-y, te moque pas de moi, c'est pas bien. De toute façon, je peux percer. Hein. Allez, l'autre, elle se réveille, là, juste pour se foutre de ma gueule. Mmh.
Zizik. T'inquiète, on a eu Waka Waka hier, comme Blaze aussi. C'était Shakira la meuf. C'est Amina Amina, Waka Waka, T'as reniflé quelque chose qui te plaît, Nyx? Qu'est-ce que t'as reniflé, mon Nyx? Attends, la caméra va dans tous Fais les gaffe, sens. Nyxie. On sait pas qui ou quoi se trouve là-dedans. Oh, des petits pillards. Oh, c'est par ici? Ça me fume, je te jure. Bon, mais il est sérieux, lui? Et comment je monte, moi? Et lui, il monte comme ça, mais... Moi, je peux pas monter comme ça, si? Ah, si. Ah, non. Ah, ça va encore me faire câbler, là. Mais si, je peux monter comme ça. Là, ça, c'est encore un problème, Eddie, par rapport au jeu. C'est que t'es censé monter par là, mais du coup, le jeu est vraiment pas fait pour que tu montes par là, tu vois. Donc, c'est un peu bizarre. On va forcer un peu le truc, hein. Bisous, mon frérot. Bonne nuit, courage pour demain. Et merci beaucoup d'être passé, ça fait super plaisir. Et n'hésite pas à revenir, hein, si tu vois que je suis en ligne. Hein. Shakira, te va bien, c'est ton petit côté féminin. Ah zut, ça me fait péter un câble. Tu veux quoi toi? Tu veux quoi toi? Tu peux pas m'agripper avec mon grappin? Attends, attends, attends. Alors, c'était pas prévu. J'ai menti. C'est juste moi qui suis nul. Oh bébé. Attends, Nyx. Je peux pas passer par ici. Bah, si tu peux, putain. Le retour du demi-bob. Tellement. Alors, t'es où mon Ixi? Allez bébé. Non mais il est sérieux. Bah oui, il me regarde putain. Ah. Merci, courage à toi aussi. T'inquiète pas, ça m'est natif à chaque fois que tu stream, donc quand je peux, je reviens direct et je t'envoie sur WhatsApp le son, ça marche. Vas-y, t'inquiète. Nickel, on fait comme ça. Je vais juste voir si... Je sais pas si j'étais sur WhatsApp, je crois pas. Je vais te donner mon numéro. Je te l'envoie sur Snap. Car qu'on crève de chaud. Bah ouais, parce que comme je t'ai dit, je voulais mettre ton son dans la voiture, mais... Mais t'as pas payé, hein. Tu connais. Hein. T'as préféré payer des packs sur FIFA, toi. Salaud. Hein. Non, non, si, mais j'arrive. Ça marche, merci. Allez, bisous, ma poule, bonne nuit.
Alors, qu'est-ce qu'il m'a trouvé? Ok, vite, avant que quelqu'un revienne. Ah, un petit vaisseau collecteur, ok. Je laisse tomber. Quoi? Mais je peux pas finir le boulot sans toi. Je sais, ça sent bon, non? Allons voir ça. Oh, ça sent bon, elle a dit. J'ai un trophée, faut que je bouffe. Ça m'irait bien. Faut que je bouffe dans chaque truc. Là. Bonne nuit, ma poule. Courage pour demain. Oh là là, boulette de... Ah, je sais pas ce que c'est, hein, mais je vais te le lire et tu vas voir, ça va te donner. Hein. Petite boulette de skato frites avec fruits de chouga servis en brochette, purée de légumineuses aux épices kanki relevées. Mama. Là, je suis comme ça, là. Ça donne trop faim. Ça donne trop faim. Allons, commande. Je vais prendre les sketo de chuga. Oh yeah. Let's go, il va nous régaler. C'est bien épicé. Waouh. Tous les jours de l'année, je le déglingue le plein. Vas-y. Je vais clipper ça. En vrai, pour TikTok, ça peut être stylé. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait un QTE. Tu savais que le sketo est toxique quand il est cru? Ah merde. Bon, c'était même pas épicé. J'espère que ce sera plus relevé. Ah, on est vraiment, on est vraiment, merde. On est vraiment en train de manger tout le plat, quoi. L'animation dure 8 ans. Des épices. Il est trop Merci. Mignon. Pour les enfants. J'espère que c'est bien épicé. Waouh. Tous les jours de l'année, je le déglingue le blanc. Vas-y. Excuse-moi. Tac. C'est que je fais le clip en même temps. Petite douceur galactique. Je vais poser là, comme ça je l'aurai tout à l'heure. Là, c'est parti. Attends, il avait dit qu'il m'envoyait un message. Et toi, ça te fait vraiment rien? Oh.
Oh là, elle est en train d'accoucher ou quoi? Waouh, c'est quand même puissant. Oh. Oh, j'y arriverai pas. Il est pas un petit peu long ce QTE? Non? Oh. 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 Je sens plus ma langue. Ouais, c'était super bon. Oh. Plus jamais je redemande des épices. Mais c'était bon. Continue à te moquer, t'iras te chercher à manger tout seul. T'es mal le bide. À la prochaine. Ok. Allez, on va continuer la mission parce que on n'est pas rendu là. Oh, tu vois ce que je vois. Mais bon, on a autre chose à faire. normalement, je peux passer. Oui, c'est bon. Ok, j'y suis. Cherche un terminal et registre dans le bâtiment principal. Oh. Another one. J'espère que tu m'as fait. Bon, allez. C'est parti. En plus, ça monte la réputation si jamais je gagne. Donc, let's go. Ok, jeu imposé. Donc j'ai quoi? Embargo. Le joueur suivant passe son tour. Lancez 2 dés, choisissez l'un des résultats. Il s'agirait de la nouvelle valeur du meilleur sabac. Oh, c'est stylé ça. Désignez un joueur, on lui prélève 2 jetons. Ok. C'est parti. Je vais vous montrer comment on fait. Ah bah ça commence bien. Ça part avec un petit sabac. Alors, vous pouvez désormais essayer de piocher discrètement 2 cartes au lieu d'une et dissimuler la deuxième aussi longtemps que vous le souhaitez. Putain, c'est trop stylé. Comment on fait, du coup? Et ben, je vais passe tour. Passe. Ninolia. Molia. Je prends. Ama Otto. Chuba Siroso. Gini Nolia. C'est bien, ils claquent tout leur truc là.
Et non, Lia. Allez, on va rester sur ça. On prélève deux jetons de mise à tous les autres joueurs et on passe leur tour. Oh le bâtard. Moi aussi, je veux level up. Tiens. Sabak. Allez, pas de sabak, s'il te plaît. Ok. Ok. Oh, le fils de pute. Ça aurait été vite. Sérieux. On va gagner. Ok. On est reparti. Faites-moi une place. On va arrêter de jouer petit. Ok, 5 et 4. On va essayer de tricher. Oh, je prends la 1. Allez. Allez mon gars. Chiminolia. Allez, allez. Alors. Oh. C'est trop stylé. Défaussez une carte et mettez fin à votre tour. Activez la double défausse. Attends, je peux m'en mettre une de côté. Je vais mettre en 3 de côté. Je sais pas pourquoi j'ai pris un 3 de côté. Hein, mais... passer. Et ben moi je peux pas passer, hein, il me faut un 1 là. Oh, terrible. Terrible, terrible. Sobok. Ok, c'est chaud. Faut que j'ai une bonne main. Allez, on va tenter le tout pour le tout. Je vais faire action. Je prends.
Léa. Prends ça. Ok, on va piocher. Nouvelle carte. Mais dis-moi qu'il y a un 3. Il y a un 1, c'est bien. On va garder le 1. Et on va le tenter. C'est un joueur qui a passé son tour, on lui peut 3 jetons. On va se la tenter. Faut qu'on ait de la chance au dé. Regardez ça. Oh putain, pas moi quand même. Oh, c'est moi, putain, le bâtard. Je vais passer. Oh le chien, quoi. J'ai perdu, hein. J'ai plus de jetons. Ah bah voilà, regarde ça. Terminé pour moi. Oh, je crois que c'est à moi tout ça. J'ai pas de chat. Allez, on en fait une. Faut pas déconner. Là, si je gagne cette partie, c'est comme si j'avais rien joué. Hein, parce que j'ai misé 300, je gagne 300. Alors. Nouvelle carte. Mmh.
Allez, comme ça, ils sont tous à deux jetons à peu près. Et non, on va tenter le tout pour le tout hein, sur le 1. Oh putain, j'ai 0 jetons quoi. Imposteur ici. Allez, frérot, fais un. Oh, mais j'ai pas de chat. Il va faire un 2. Non mais je peux pas le laisser comme ça, je dois gagner là. C'est quoi ce délire? 3 fois de suite. Pour la main quoi. Alors... Ok, on va prendre le 1 qui est là. Allez, il me faut un 1 là. Oh putain, mais sérieux. Yes. Allez. Oh putain, mais j'ai vraiment pas de chat. Voyons voir. Tiens, j'ai chopé loin. Let's go. Mino patatinga.
C'est bon pour moi. Non, c'est bon. Oh, c'était une mauvaise idée. Prime Sabak. Ça, c'est pour moi. Ok, on est tous les trois à 1. Ça va jouer avec la main de départ. Quoi. Ok. Alors. On va se le tenter, il faut un 4. Désolé, action. Il me faut un 4. Non. J'ai un lancé. Oh putain. Oh. Et je vais jamais réussir à gagner. C'est incroyable. Cette chatte qu'ils ont. Elle est folle. On n'est jamais 304. Et là on n'est même pas, on n'est jamais 405. Hein. Cinquième essai. Hey, j'en suis. Mais t'es mal les mains que j'ai quoi. Voyons voir. Ok. Ah non, c'est pas un 6, c'est pas un 3. C'est pas un 3, c'est un 5. Du coup, pas ok du tout. On va regarder ça.
J'ai vraiment pas de cul. Oh, vas-y, moi, yes, allez, je défausse. On tente une main. Bon. Oh. Ça, c'est intéressant. Là, il y a moins que je gagne. Sur une main comme ça. Tiens, prends ça. Allez, on passe au tour. Bon, j'ai zéro jeton. Je passe. Ok, un 2, un 4. Il n'y a rien. Un double 5, donc pour l'instant je gagne. Donc je vais lui faire passer son tour à l'autre devant. Comme il a un 2-1-4, ça lui fait perdre 2 points, donc il sera à 0. Et l'autre il est déjà à 0. Prends ça. Tiens, petite merde. Non, c'est bon. Je passe. Let's go! Putain, enfin gagné. Silop Sabak, par ici la monnaie. Ouf, pas de chance. Tu vois, je vais pas faire la mission. Oh, je vais me coucher. J'ai un coup de barre. Bon, c'est cool. On a 3 nouvelles cartes pour le Sabak. Et on a monté la réputation des hôtes. Ouais, bon allez. Des bisous bisous à ceux qui sont encore là. Bonne soirée. Et puis, à demain avec le nouveau micro. Mm-hmm. La bise au chat. Allez, des bisous tout le monde.